mon talent au basket, mais disons que je sais pas si je suis un bon joueur, mais disons que j'aime beaucoup jouer. Ouais. J'aime beaucoup jouer. Quand même pareil, quand j'étais petit, il y avait les terrains de basket à côté de chez moi. Et du coup, j'ai joué en même temps que le foot. C'est un sport que j'apprécie vraiment. Ouais, on était en échange quand même constant, puisque c'est mon grand cousin. Donc ouais, on était assez proches. Sa mère, c'est ma tante. Et du coup, quand j'étais petit, il nous passait des crampons, des maillots, des trucs comme ça. Donc ouais, on était en admiration devant lui avec mon frère. Quand j'étais petit, j'étais milieu de terrain. Rien à voir à aujourd'hui. Okay. Je courais vite, mais sans plus. Pas comme aujourd'hui. Mais j'étais milieu de terrain, numéro 10, organisateur. Rien à voir avec le joueur que je suis. Donc c'est marrant de voir mon évolution. Pendant ma période d'adolescent, j'ai eu beaucoup de périodes de... Je grandissais beaucoup d'un coup. Je suis passé de 1m58 à 1m80 en un an. Donc du coup, ouais, j'avais beaucoup de problèmes de croissance. Et ouais, au fur et à mesure, c'était un peu plus dur footballistiquement. Mais j'ai su tenir le fil et ouais, j'ai progressé là-dessus et j'ai travaillé beaucoup mentalement. Amine, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Donc, je l'ai rencontré là au Pôle Espoir. On a fait toutes nos classes ensemble, vraiment. Que ce soit à Toulouse, au Pôle Espoir. Aujourd'hui, on joue contre en Bundesliga. Donc, c'est vraiment mon meilleur ami et ouais, je suis content de l'avoir aujourd'hui. Ouais. Quand j'étais plutôt fort. Ouais. Ouais, j'étais plutôt fort. J'aimais ça. En fait, j'aimais parler avec les profs, tout ça, donc ouais, j'étais plutôt bon à l'école. C'est quoi tes qualités? Prendre la profondeur, éliminer, dribbler, percuter, créer l'incertitude chez l'adversaire, c'est ça mes qualités. Et quand je prends conscience de ça, et quand je suis à ce niveau, je pense que je suis un très bon joueur. C'est vrai que c'était un peu compliqué, le changement de culture, de langue. Et au niveau du football, c'est pas le même football en France et en Allemagne. C'est un changement de culture. Ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile, puisque c'est la première fois que je quittais Toulouse. Mais c'est la vie d'un footballeur. Et aujourd'hui, je suis content de mon choix. Borussia, c'est quand même une étape au-dessus au niveau des structures, des terrains d'entraînement, le stade, des supporters, c'est une évolution. Moi j'aime bien ici, c'est les célébrations avec les supporters. Ça me fait rire et ça me fait kiffer, moi, franchement. La NBA, je fais quoi? Le cinéma, j'adore le cinéma. Quand tu vas au cinéma, ouais. tu prends du popcorn salé ou sucré? Sucré? Tu prends du popcorn salé. C'est vrai, les gens ils s'en foutent. Je suis très mauvais perdant. Ah, t'es mauvais perdant? Ouais, mauvais perdant. Monopoly, t'aimes pas perdre? Monopoly, je déteste. Hein. Je sabotais les parties quand je perdais. Hein. C'est vrai? Ouais, je trichais. Ben, je trichais, je cachais des. Ah, je trichais. Merci. De rien. Bite. Thank you.